trajets entre les dimensions ne sont pas couverts par mon assurance. Oui, Michael. Une voiture noire est arrivée à fond dans la casse et a bousillé toute ma précieuse ferraille. Une casse sans ferraille, c'est juste un terrain vague. Vous êtes super! Je promets de veiller sur cette ferraille, comme sur mes propres enfants. Les enfants de ferraille. Ah, oh, ça, c'est de la ferraille de qualité. C'est... oh, inestimable! Ma nouvelle technologie doit être testée, mais j'ai besoin d'aide. Je suis le docteur Emmett Brown, pour vous servir. Hé, hey, j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Bientôt, ma revue.
bientôt ma revanche. Ouais, ça fait bizarre. Docteur Brown, vous dites que nous n'avons pas besoin de route là où nous allons, mais je préférerais qu'il y en ait, personnellement. J'aurai bientôt ma revanche. Je vois que vous avez enlevé tout l'œuf du bas de signal. Ah, je viens de me souvenir que Devon voulait que je lui rende son couvre-théière. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. J'aurai bientôt ma revanche. Aussi important que moi. En cas de problème, tu sais qui appeler. Dis, change-l'un. Salut, j'ai déniché des informations qui pourraient vous être utiles. Pas de problème, vous me remercierez plus tard. Technologie doit être testée, mais j'ai besoin d'aide. Je suis le Knight Automated Roving Robot, ou CAR, pour simplifier. Je suis le prototype de la voiture du futur, très largement supérieur au modèle précédent KIT, et bientôt encore plus supérieur. En tout cas, j'ai découvert dans mon programme un système de camouflage qui était en sommeil depuis des années. Il doit être soigneusement testé. Vous, vous attendez ici, et moi, je vais me cacher. Mais on ne joue pas à cache-cache. Prêt ? Partez ! Allez, Kit, en route, mon cher. Très bien, Michael. Précieux que la coque à assemblage moléculaire de Kit, mais en plus bouillant. Essayez de me trouver, vous n'y arriverez pas.
J'espère qu'Alfred m'aura préparé un homard quand je rentrerai. Allons-y! Où suis-je? Vous ne me trouverez jamais! Si je devais dire où je vais, ça ne serait plus des vacances. Ah, mais mon vieux, c'est carrément pas le programme que j'avais prévu pour aujourd'hui. Hey, j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Je vais me déplacer et... Camouflage! Pourrez-vous trouver Car parmi toutes ces voitures? Zeus, on dirait que je suis comme effacé de la réalité. Impossible. Vous avez encore réussi à me trouver. Vous aurez moins de chance cette fois. Car disparaît. Réfléchir autrement cette fois. Oui, Michael. C'est intéressant. Mes capacités améliorées sont... Bonjour, Michael. J'imagine que tu vis une journée aussi étrange que la mienne. Quoi? Mais comment? J'étais sûr que tout était parfait. Passons aux choses sérieuses. Vous ne me trouverez jamais cette fois. Laissez tomber. Mon système de camouflage est indétectable pour les gens comme vous. Thank you.
C'est impossible. Comment m'avez-vous trouvé? Disposeriez-vous d'une technologie plus évoluée que la mienne? Mais je suis la voiture du futur. Mon programme bug. Néanmoins, je suis obligé de reconnaître vos capacités supérieures. Pour l'instant, je vais continuer à explorer mon programme pour découvrir d'autres fonctions cachées. Peut-être un lecteur de CD ou des sièges chauffants. Une horrible voiture noire a tourné dans un crissement de pneus et a esquinté mon jukebox. Oui! Notre monde musical est à nouveau au bout de nos doigts. Notamment cette chanson qui fait un carton en Allemagne. Ah! Comment voulez-vous que je lutte contre le crime avec tout ce boucan? Vous pouvez faire quelque chose pour cette alarme? Une voiture qui parle? Comme si j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour critiquer ma façon de conduire. C'est mieux. Je vais pouvoir examiner les scènes de crime en paix. En espérant que vous n'avez pas tout détruit. Merci quand même. J'imagine que tu vis une journée aussi étrange que la mienne. Thank you.
ami m'a demandé de réparer cette tribune. Mais il a oublié de me dire comment il allait payer. Je suis pas le service des tribunes en péril, hein? Vous comprenez? Et voilà. Les gens ont maintenant un endroit pour s'asseoir et admirer la voiture noire débouler et tout casser. Ou faire de chouettes cascades. Cheval de rodéo. Il n'a pas vu venir la voiture noire. Oh, Becky! Becky! Tu es revenu! Becky est revenu! Ça va rouler dans les brancards! Ouais, c'est l'heure d'une petite sieste bien méritée. Oh, on va mener l'enquête. Respectant le code de la route. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'imagine que tu vis une journée aussi étrange que la mienne. J'aurai bientôt ma revanche.
Bonjour, Michael. J'imagine que tu vis une journée aussi étrange que la mienne. Un cinglé en voiture noire a encore pris un raccourci dans le jardin. C'était plutôt chouette, mais ça va nous coûter une fortune en frais de jardinage. Merci. Vous ne savez pas à quel point Monsieur Miles devient grincheux si son jardin n'est pas en ordre pour le type. Et il a raison. Suggère de profiter de l'occasion pour vous préparer à l'arrivée des hommes de garde. On s'occupera du camion plus tard. Ah, vous tombez à pic. J'étais en train de bidouiller ce prototype de générateur pour Bonnie et un fusible à degré. Vous pouvez m'aider à l'alimenter et le faire fonctionner ? C'est bon, ça fonctionne. Pendant que vous êtes là, vous pourriez m'aider à faire un petit test ? Je dois vérifier l'intégrité du générateur. Voyons, je dois préparer mon interrupteur spécial.
Allez vite, montez sur cet interrupteur et allumez le générateur. Si ça marche, ce sera un immense progrès pour les énergies renouvelables. Si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne. Allez, Kid, en route, mon cher. Très bien, Michael. Nous revoilà au point de départ. Mais que fait cette brique dorée ici? Aurais-je oublié de la retirer? Ça peut pas avoir provoqué l'explosion. Surtout pas un mot à Bonnie, hein? Michael, mes scanners détectent une forte baisse de tes signes vitaux. Une porte de camion qu'il faut découper à chaque fois. C'est pas une brillante invention. Allô ? Vous m'entendez ? Désolé de ne pas vous accueillir en personne, mais les gorilles de Garth ont décidé de garer leur camion devant ma porte. Mais nous verrons ça plus tard. D'autres gorilles viennent les rejoindre. Tâchez de leur réserver un accueil chaleureux, d'accord? Ne va pas te faire des idées, chevalier solitaire. Oh, je crois qu'on arrive un peu tard pour la fête, les gars. C'est trop tard pour ceux qui sont pas invités. Ce devait être très amusant. Dommage, j'étais coincé à l'intérieur. Bon, que diriez-vous de trouver la clé de ce camion pour débloquer ma porte?
n'ai pas trouvé la clé. Oh, tous les moyens sont bons. Retrouvez-moi plus tard dans le salon. J'aurai peut-être un autre travail pour vous. Ah, vous voilà. Merci de vous être occupé de ces désagréments à l'extérieur. Comment on ouvre ces caisses? Hein? Ne me dis pas que tu as encore oublié le pied de biche, pauvre crétin. Ah. Ouais, une manière d'ouvrir une caisse. C'est la base. Maintenant, le reste. Doucement. On ne peut pas construire cette partie sans assembler d'abord la base. C'est la première fois que tu installes un bureau ou quoi? Regarde-moi ça! Alors, vous êtes K2000? Intéressant. Je dirais... Attends. Cette partie ne va pas en dernier. Je suis presque sûr qu'elle va en dernier. Ah, je viens de me souvenir que Devon... Ce compartiment secret est superbe. Je me demande ce que le patron a l'intention d'y cacher. Je donnerais cher pour être là dans 50 ans, quand il s'ouvrira à nouveau avec quelque chose à l'intérieur. Ah, on peut toujours rêver. Je devrais vraiment faire installer un bureau ici. Et sinon, comment faire pour cacher des objets de valeur? D'après le livre que je lisais l'autre jour, un superbe bureau devait être installé dans cette pièce il y a des années. Mais les ouvriers ont eu des problèmes, et ne l'ont jamais fait. C'est curieux, non? Oh, bonjour!